Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis et que vous avez pensé à vous abonner. Aujourd'hui au menu, un émincé de bœuf sauce charcutière. Allez, on va s'occuper de notre tomate, on va faire la déco, on va faire une rose. Donc, j'ai fait le tour de la base de la tomate et après, je découpe les pétales. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à rouler notre rose. Ouais. On rentre le pétale à l'intérieur. Et on tourne. Et voilà. Allez, on réserve. Allez, on va découper notre viande. Et voilà. Allez, on réserve l'oignon. Allez, on va s'occuper de notre échalote et de nos trois cornichons. Voilà. Alors, les trois cornichons, on va les couper en tranches, en rondelles si vous préférez. Voilà. Et notre échalote, on va couper en petits morceaux. Et voilà. Allez, on va s'occuper de notre tomate. Alors, j'ai épluché la tomate. J'ai enlevé la peau. Et on va couper notre tomate en petits cubes. Et voilà. Allez, on réserve. Allez, dans notre casserole, on met un petit peu d'huile. Donc, je mets de l'huile d'olive, la moitié du beurre, allez, on met l'échalote, un petit peu de poivre. On va ajouter nos petits dés de tomates. Allez, le vin blanc, emporté ébullition. Allez, on ajoute une petite cuillère de fond de veau. On ajoute l'eau. On rajoute la moutarde. Moi j'ai choisi de la moutarde à l'ancienne. On
Allez, on laisse bien réduire. Alors, notre sauce a bien réduit. Je mélange bien, je goûte. Et maintenant, on va ajouter le reste du beurre et mélanger. Et couper la plaque. Impeccable. Allez, c'est prêt, je la réserve. Allez, dans notre poêle, on met de l'huile d'olive. Et on vient mettre nos morceaux de viande de bœuf. Allez, au sale. Au poivre. Allez, on coupe, c'est prêt. Allez, on n'a plus qu'à dresser et passer à table. Et voilà, c'est prêt. Regardez cette belle assiette, c'est super appétissant, on va encore se régaler. Un émincé de bœuf, sauce charcutière, ça va être extra. Allez, on vous laisse, nous, on passe à table. J'espère que vous avez pensé à vous abonner. Ce n'est pas trop tard si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Pour la recette, nous avons utilisé 300 g de bœuf, une courgette, une tomate, 20 g de beurre, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, 3 cornichons, une échalote, 10 cl d'eau, 15 cl de vin blanc, du sel, du poivre et de l'huile d'olive.